Hey, salut à tous, c'est Adrien. Aujourd'hui, je vous avais promis du bourrin. Eh bien, on y va, c'est du bourrin. Bienvenue sur le premier épisode de Let's Play sur Battlefield 4. J'appuie sur entrée, qu'est-ce qui va se passer? Campagne. Ah, normal, attendez. Option, option, option. Nous sommes sur PC. Bienvenue. Didacticiel, non. Ah non, mais ça, c'est par rapport au multi. De toute façon, didacticiel, non, quand même. Ah d'accord, ok, donc c'est les mêmes commandes que le multi. Bon, bah, je vais rien toucher alors du coup, parce que y a rien à toucher de toute façon. Donc voilà, on se retrouve pour un premier épisode sur Battlefield 4. Je vous avais promis de l'ultra bourrin, vous allez être servi. Et donc on y va, sans tergiverser, on va jouer en normal, parce que j'ai pas envie de me péter les couilles, casser les couilles, me faire chier. Mais voilà, bah. C'est parti. Merde, on va crever sur ce morceau. Hé, hey, Irish, tu sais ce qu'on trouve comme poisson à bas coût? J'en ai pas la moindre idée, sergent. Hé, hey, Wrecker. Wrecker, tu m'entends? C'est pas fini, reste avec moi. Bien joué, Wrecker. J'ai jamais vu quelqu'un conduire aussi bien. Jusqu'à la fin. Allume, Pac. Merde. Le siège ne bouge pas. Vous êtes coincé, sergent. Irish, la pire chose à faire dans cette situation, c'est de paniquer. C'est exactement le genre de phrase qui me fait paniquer. Pas à quatre points, bougez ce siège. On s'enfonce toujours, merde. On va vous tirer de là, Don. C'est compris? Comment? Porte tout coincé. Merde. C'était pas censé finir comme ça. Wrecker, prends mon arme. C'est quoi ces conneries, Don? C'est quoi ces conneries? Pour survivre, un loup est prêt à se bouffer une pinte. Tire! Négatif, fais pas ça! Vite, Wrecker, tire dans la vitre! C'est un ordre! Putain, fais pas ça, Wrecker! Foutez le camp! Barrez-vous! Barrez-vous! C'est n'importe quoi, mec! Fais pas ça! Tire dans la vitre ou vous allez tous y rester! Ok. Donc apparemment nous sommes dans la merde. Et nous voici à 13 minutes 39 plus tôt. Merci les droits d'auteur pour 30 secondes de de musique. Je vais me faire niquer. Oh mon dieu, c'est moi qui ouvre la porte. Excusez-moi. Je suis... Wow. Wow. Wouah! Excusez-moi. Alors, s'il y a un truc qu'on ne peut pas enlever au Battlefield, c'est que quand même, là, c'est beau. Ah ouais, c'est beau, merde quoi. Au moins, c'est beau. Putain, vous voyez à 720p, moi je le vois à 1080. Je vous jure que. Merde. Je vous jure que quand je. Je pourrais vous le montrer à 1080p, je vous le montrerai. Bon, alors j'ai quelques freezes, quelques chutes de FPS, je passe des fois en dessous de 60, donc on va voir ce que ça donne. Si c'est vraiment trop chiant, je baisserai un peu la qualité. Et je fais quoi là? Je me touche la... Ah, ok. Ah putain! Lâche ça, lâche ça! Putain, le Wrecker, j'ai failli tirer dessus. Tu les as semés? Oh!
Du calme, Pac. T'étais passé où? Quand le transfert a mal tourné, je suis venu ici. Des Russes, hein? Des pros, un coup ils sont là, un coup ils sont plus là. Détends-toi, t'as le renseignement? Ouais, je l'ai. Bien joué. Merde, il fait déjà jour. Faut aller au point d'extraction. On sait où est Irish? Je lève le silence radio, Tombstone 3 de Tombstone Leader, votre position. Tombstone Leader en approche par le nord. Ça chauffe par ici. Je vais me plier, faut me couvrir. Bien reçu, Irish, on te couvre. Riker, prends ton arme, allez. Vous me couvrez. Va à la fenêtre, faut couvrir Irish. Munitions dans cette caisse. Où ça? Quelle caisse? Prends ce que tu peux et couvre la fenêtre. Ok. Alors moi, j'aime bien là. 121. Je peux pas. Je vous déteste. Bon, mais Scar H, hein. Je joue avec la 121 multi en fait. Alors attendez, j'ai baissé la qualité. Je suis désolé, c'est très beau, mais j'ai des chutes de framerate et ça, je ne supporte pas. D'ailleurs, en élevé, on peut admirer la beauté des visages. Nope, nope. Oh là là. Boum boum. Ennemi à terre. Comme vous voyez, je vise comme un sac. Je vise mieux un multi qu'un solo, tout va bien. Ah ouais, ah ouais. YOLO. Il y a une fenêtre. Bon allez, on y va. Et on est normal, mais les visages ils restent. Waouh. Donc vraiment on a un escouade de 4, comme un multi en fait. On va les buter ensemble. Marquez-les et donnez le signal. YOLO. Toutou. Toutou. Ouah. Attention, ils sont dans les salles sur le côté. Ta mère. Oh lol. Il y avait un là. Merde. Ok. Merde. Merde. Oh merde. J'aurais peut-être pas dû y aller comme ça, c'était un peu YOLO. Mais j'avais envie d'y aller genre soldat Rambo, mais en fait on est dans Battlefield. Je suis triste. Bref. Ok, j'ai un spot. Oh là là. What? Ah oui, d'accord, ok. Tiens. Attention, ils sont dans les salles sur le côté. Boum. Ok. What? Ma grue n'a pas eu d'effet, très bien. Tant que la main t'as. Eh oh! Tiens, t'as droit à une grue pour toi. Et qu'est-ce que tu fais là? Boum! Au rapport!
Ok, oh non, d'accord, on est encore dans la. Oh, j'adore. J'adore les armes comme ça. J'adore. Quand je joue soutien, j'adore jouer cette classe, rien qu'à cause des armes comme ça. Ouais, j'ai dessin là, s'il te plaît, merci. Parce que, en fait, si vous êtes à longue distance, vous tirez comme ça, j'ai mis à courte distance, prac. Gadget. D'accord, fais-le sauter. Attention, ça va sauter. BOUM! Hey. Wouh! Ah, cool, je peux porter deux armes. Nice, nice. Wow. Wow. Wouah. Putain, je trouvais que j'allais me. Ok. C'est plutôt une moitié de bâtiment. Allez, Wrecker, les jumelles sont très utiles. C'est quoi la touche pour les jumelles? Ouais, les deux cheminées, pile en face, tu vois ça, Wrecker? Mais c'est quelle touche? Voir le point d'extraction au sud-ouest. Dis-moi quelle touche, connard. Putain, jumelle. Zoom aux F. Je peux pas savoir. Non, t'as pillé l'eau, hein. DMR. Fusil de précision. C'est quoi DMR? Je cherche ce que ça pourrait être. On prend la CZ, machin chouette. Surveillez vos secteurs. Gardez les yeux sur la cible. Doudou maintenant. Merde, j'aurais peut-être dû récupérer les lunettes comme ça. Ok. L'autre il m'a l'air de paniquer pour pas grand chose. Est-ce que je vais réussir à y aller sneaky? Battlefield Splinter Cell. Où sont les autres? Je suis sneaky, je suis Sam Fisher. Sam Fisher, inquiète-toi, ta carrière est bientôt terminée. Easy! Apparemment, on peut aller se faire foutre. Hein. Ah, je peux sauter mes gadgets. Fuck my life. Ok. Ok. Tire au pigeon. Ok. D'ailleurs, peut-être que j'aurais censuré la musique de début parce que j'ai la flemme de me taper des droits d'auteur de merde, quoi. Apparemment, il y aurait un sniper ici. Ta mère!
Merde. Ok. Merci mec, c'est avec grand plaisir que je l'ai eu. On n'a pas une team équilibrée, y'a pas un sniper avec nous là. Ah, elle s'est occupée d'eux aussi. Ouais, merci, merci, je suis un grand professionnel. Ok, Baku argent, campagne. UTS 15, je sais pas ce que c'est. Oui, je sais. La crête. Je peux le tuer alors qu'il n'était même pas encore là. Fomp. 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 Damn it! C'est quand même méga oppressant qu'il n'y ait pas de musique. Ok. Heureusement que je joue pas comme ça en multi, sinon. Ah, pas derrière. Heureusement que je joue pas comme ça en multi, sinon je serais vraiment naze. Tiens, qu'est-ce que t'as toi? AK-12. Ok. Hop là, je peux plus faire de mes tours, bien joué. Parfait. Oh shit. Ok. Salut. Je suis encore mort, comme une merde. Bien joué! Je suis trop fort à ce jeu! Bon, en même temps, je suis un peu allé yolo, bourré, genre rien à foutre, personne n'existe, tout va bien. Mais en fait, je suis pas du tout, du tout, du tout prêt à ça. Ok. Putain, je vois rien avec le soleil. Ta mère, ta mère. Ta mère, 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 ta mère.
Time for FOMP! Punk? Oh putain, j'avais pas fait gaffe! Boum. Salut à tes pieds. Brrr. C'est bon, j'ai 30 secondes de pause. J'ai le droit d'aller me faire gentiment. Oh, j'ai récupéré un fusil à pompe. Pam pam, tout tout tout. Restez concentrés, avancez vers l'ennemi. C'est plutôt 13 heures, pas 12 minutes. Ah ouais, j'ai réussi à le retourner. Je suis totalement un espèce de PGM en fait. Ok. Ouh, un peu de musique, attention. Ah putain, ce soleil quoi. Ouais. Quoi? Quoi les angles? Wow! C'est le plus rapide, on n'a pas le temps de chercher autre chose. Problème de texture. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Mais what the fuck? J'ai eu le même bug sur le multi. Genre j'avais des textures qui apparaissaient et disparaissaient. Oh shit. La 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 la. Ouais, on est en train de se faire défoncer. Mec, ils ont même fait des boss fights quoi. Enfin, ça m'a pas l'air d'être un vrai boss fight, mais c'est pas grave. Ah, y'a encore un étage, d'accord. Ils sont passés par où? Mais ta gueule! Par où est-ce qu'ils sont passés? Par où est-ce qu'ils sont passés? C'est une question sérieuse. Quel est le chemin qu'ils ont emprunté? Ow! Oh mais ta mère, je vais te bloquer là quoi. Par là, ok. Ouais parce que là j'ai en train de risquer mon cul quoi. Et là ça me pétait sous les pieds. Et allez.
Oh oh. Holy shit. Non. Les traces de Hawkins et des autres. Il n'y a pas de survivants. Fais sortir Dunn de l'épave. Je peux pas. Il est coincé. Essaie. Je suis en train de sortir Wrecker. Ma jambe. Sa jambe, c'est de la vraie bouillie. Ça va aller, Dunn. Ça va aller. On va vous tirer de là. Mac, l'essence. Ouais, je sais. Stop. Wrecker, couvre-moi. Dehors, sors de là. Allez, dégage! Pourquoi aider? Non, il faut que tu te casses d'ici! Wrecker, ton couteau! Pourquoi, sergent? Faut couper la jambe! Pourquoi? Wrecker, viens ici! Vas-y, Wrecker, je reste là! Cours! Allô, pris au piège, ce bouffin pas de t'en survivre! Oh shit! Allez! Là, c'est en miettes, y'a que la chair et l'uniforme qui brossent! Oh non, ils sont sérieux? Allez, coupe-la! Quoi? T'es infirmier, tu supportes pas la vue du sang? Il se pointe, à terre! Allez! L'hélico va revenir, faut pas rester là! Hey, ils sont cool les Azeri, hein! Allez, vite! Ça va aller, Don! Ça va aller, on va vous tirer de là! Oh putain! C'est moi qui conduis! Oh shit! Mec, ma femme va me tuer. Ah merde. Seul à entendre de la musique. Approchez-vous. Vite, Wrecker. Dunn est en état de choc. Et c'est parti. Il a perdu trop de Wrecker. On peut s'en débarrasser. Ça m'étonnerait. Putain. Mais moi j'y peux rien, c'est lui qui a eu l'idée de se couper la jambe tout seul, hein. Enfin non. Qu'est-ce qu'il est passé, vous le voyez? Je sais pas où il est passé. Oula, on a pas changé d'environnement là, qu'est-ce qui se passe? Aïe. Oh con. Faut griller ces enfers. Oh shit, sérieusement? Boum. Fail. D'accord. C'est un peu YOLO, hein, quand même. C'est un peu YOLO. Ah, je reprends là. Ok. En fait, le mec, il va y perdre les deux jambes, tu sais. Ça c'est scripté. Il faut griller ces enfers. Oh, t'es sérieux?
Ça, c'est de la merde, ces phases de shoot en slow-mo de mes couilles. Ça, dans tous les jeux vidéo qui ont existé, ça m'a pété les couilles. Tous. Ta mère. On recommence. Ils sont tous scriptés, juste aller tout droit. La balle est passée à côté? Ah non. Ouh! D'accord, ça explique les 13 minutes. Oui, là, je comprends. Ouais. Tombstone a récupéré les renseignements. Et en cas de coup d'état militaire chinois, les Russes soutiendraient l'amiral Chang. Ça confirme le rapport de notre contact en Chine. Alors, le sergent Dunn est mort pour une information qu'on avait déjà. Il y a des émeutes dans les rues de Shanghai, capitaine, et les Russes sont impliqués. Il fallait qu'on en soit sûr. Boucler Suez était suffisamment délicat comme ça. Au moindre faux pas, c'est la guerre. Vous avez vos ordres, capitaine. Oui, monsieur. Faire route vers la côte est de la Chine. Putain de loi martiale pour 1 milliard d'habitants. Ils sont furieux à cause de l'assassinat de Jin Jae. Qui c'était? Ils convoitaient la présidence, progressiste. Ils poussaient le gouvernement à la transparence, à la justice et à la liberté. Chang les a convaincus que nous étions responsables de la mort de Monsieur Ji. Si vous échouez dans cette mission, il aura l'excuse parfaite pour concentrer toute cette colère, toute cette haine sur nous tous. Ce sera la guerre. Votre tâche, c'est d'extraire des VIP sains et saufs des tours de Ziyu. L'extraction sera coordonnée par un agent de terrain, Laszlo Wkovic. N'utilisez vos armes qu'en cas d'absolue nécessité. Riker, Dunn estimait que c'était à vous de diriger l'équipe au cas où il lui arriverait quelque chose. Sa perte est une véritable tragédie. Ne faites pas regretter d'honorer sa dernière volonté. Faites ce qu'il faut. Tâchez d'être discret. On n'a pas le droit à l'erreur. Bon, eh bien, je pense que nous allons nous laisser là. Il n'arrivera rien à la caisse. Je vais vous laisser ici, j'espère que cet épisode vous aura plu. Ça va aller. On se retrouve très prochainement. Un dinosaure en... Là, il y avait un dinosaure. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour la suite. Et je vous dis ciao les gens.